Salut à toutes et à tous, c'est Galius et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 32e épisode de Pokémon Saphir Alpha et le 3e épisode Delta de ce jeu. Alors, l'année dernière, mais oui, évidemment. Je pense pas que ce soit l'année dernière. D'ailleurs, je sais même pas quand est-ce qu'on va sortir cet épisode. À mon avis, on se rapproche de l'année 2015. Mais je vous le souhaiterai, je pense. Vidéo, tout ça. Non, je verrai. Donc, la dernière fois, on devait se rendre à Nénucrique. Enfin, dans la crique. La team Aqua. Donc, j'imagine qu'elle est à Nénucrique. Moi, c'est la seule chose plausible que je vois. Et Nénucrique, c'est là-bas. Non, où je voulais pas, par contre. Oui. Je veux atterrir là-bas. Donc, je tourne cet épisode à la suite du précédent. Donc, je ne suis pas guéri. Hélas. Allez, si on allait jouer au loto. Parce que je sais que la dernière fois, ça n'a pas réussi. Ce que j'aimerais trouver, c'est genre l'idée, le même idée qu'un de mes Pokémon. Pas de chance, non. Faudrait que je transfère tous mes Pokémon des autres générations. Ça prendrait du temps. Enfin, ils sont tous dans XY, hein. Je les ai tous transférés, plus ou moins. Donc, ouais, non, voilà. Allez, bonne nuit. Ok, alors. Donc, j'imagine que c'est là. Donc, on va aller là. On va essayer de suivre cette Amaryllis. Pour l'instant, on sait pas si c'est vraiment gentil, vraiment méchante. Attendez. Non, c'est la même musique. Il me semble. On leur passe comme ça. Je suis scotché, la fille au Pokémon Dragon, elle assure. Ça se trouve, elle est plus forte qu'Arthur. Plus, tu fais des rimes, toi. La fille au chuchemur, elle est entrée. Cette fille aux cheveux noirs avec une coupe au bol. Quelle force terrifiante. Mais notre chef est protégé par une armée de téléporteurs. Impossible pour elle de l'atteindre dans l'immédiat. Ouais, enfin bon. Vous savez ce qui s'est passé avec moi, hein. Donc bon. Par contre, je me souviens plus. Ah, c'est marrant, mais je me souviens plus où est-ce qu'il faut aller. Je sais pas s'il fait des combats. Ah, il fait des combats. Mais est-ce que c'est pas celui que j'ai pas battu la dernière fois? On va vérifier tout de suite. Parce que c'est possible, hein. Que ce soit pas le même. Que ce soit le même, je veux dire. Non, c'est pas le même. C'est trop puissant, là. Dommage, j'ai pas de Pokémon type acier, là. J'aurais pu résister. Pire, c'est que, soi-disant, la Crémo est bon en défense spéciale. Quand ça se fait que des tricanons, ça me dégomme comme ça. C'est physique, alors. Acide armure. Non, je crois que ça augmente la défense. 2x2. Voilà. Ah oui, non, mais moi, je suis... Eh ouais, non. Moi, je suis défense, je suis attaque. Crincement. Non, c'est bon. Pas de panique à bord. Galius, c'est là d'abord. Ok, c'est bon. On a géré, bon, il y en a un deuxième. Et c'est donc un Carvana. On va amener Chapignon. Enfin, j'aurais pu le garder avec Plécroix, c'était pas mal aussi. Allez, moi je dis que c'est le Mekao Match Punch. Ah, je suis sûr que j'aurais pu attaquer avec canon graine, j'aurais attaqué avant, j'aurais payé la peau dure, blablabla. Mais c'est pas grave. Non, quoique, attaquer avant, si, ouais. Là. Si, j'aurais pu. Ok, bon. Maintenant qu'on sait qu'ils font des combats, punaise, mais je crois que je suis obligé d'aller là-bas. Je comprends pas pourquoi ils nous refont des combats. Parce que... Au final, on les a déjà affrontés, c'est pas à moi qu'ils doivent faire les combats, ils me font retarder, là.
Au final, je suis pas contre la Team Aqua dans ce cas-là, puisque elle a détruit le concepteur, convecteur, pardon, spatio-temporel. Donc bon, il comprend pas grand-chose, moi. Bon, les champions, on change. On n'oublie pas demain, enfin dans le prochain épisode plutôt, ça sera en duo avec Pyrux. Et normalement, ça va envoyer du pâté. Hein. Mais je dis bien normalement, hein, je suis pas sûr. Hein. Ça va être un épisode comme ça. Parce que là, en fait, on s'arrête au même endroit, donc normalement, on s'est donné un point de rendez-vous. Normalement, on devrait le voir au jeu. Non, on se donnait rendez-vous à un point donné. Donc, il n'y a pas de raison de se perdre. Ça, c'est ça qui est bien, c'est que... Est-ce qu'elle dit la même chose? Quoi? Tu crois que je suis en train de flemmarder? C'est pas du tout, je fais face à un choix cornélien. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Punaise. Mais oui, mais on s'introduit pour le bien de la team Aqua et de et mon bien aussi. Bon, Match Punch, elle ne mettait pas KO, donc Strato percute. C'est bof. Pardon. On le tient. Ouais, KO. Oula. Nosferalto. Nosferalto. J'ai l'impression d'aimer toujours le même Pokémon. Lacrimo et champion, quoi. Les mêmes. Et de temps en temps, Gobi. Quand Lacrimo est KO. C'est tellement ça. Allez, coup psycho. Ah là 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 là. Bon là, qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Échange foufoufou. Ouais, on a échangé la Medina, rien que ça. La Medina, ça vous bouche un coin, pas vrai? Après tout, c'est un Pokémon super recherché. Mais oui, bien sûr. J'allais te le dire. Le scaphandre à quoi est un bijou? Ouais, non, d'accord. Ah, c'est pas possible. Bon, vous allez me dire, c'est bien, Galius, au moins t'entraînes tes Pokémon, et puis, quand tu feras la deuxième fois la ligue, ou quand tu arriveras sur le Pokémon super fort qu'il y a après, tu seras au point. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Surtout qu'ils ont pas beaucoup de Pokémon, donc dans tous les cas, c'est assez rapide. Je garde le Multi-X pour moi, bah voilà, je garde un peu, je gagne un peu plus d'expérience. Et c'est vrai que c'est pas plus mal. Mais en fait, là, c'est le fait que j'ai été surpris. C'est pas le fait que... Ah non, le dresseur, c'est... Ah. Je pense que c'est là. Eh, hey, assez d'intrusion pour aujourd'hui. Ouais. Mouais. Carvana. Allez, on va faire canon graine. Hop. Tac. Alors oui, j'ai encore vu des commentaires qui disaient « Ouais, la pierre blanche et tout, c'était pour Jirachi et tout. » Non, 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 non. Ce sont que des rumeurs qui ont circulé, mais qui sont fausses. Vous ne pouvez obtenir Jirachi qu'à un... Vous avez qu'un seul moyen d'obtenir Jirachi, c'est de le transférer depuis Pokémon Channel sur la GameCube. Voilà. Ça, je suis d'accord, vous l'obtenez niveau 5. De la part du professeur Chen, enfin dans Pokémon Channel. D'accord. Par contre, tout ce qui est pierre blanche, tout ce qui est je ne sais quoi, aller sur la lune ou quoi, c'est faux. Vous avez vu des vidéos sur internet qui vous montrent
des jeux hackés en fait. Ils ont hacké la version Emerald ou la version Ruby Saphir et ils vous montrent un passage comme ça. Mais c'est faux, faut pas y croire. Avant, c'était impossible. Juste des Oxys, vous pouviez obtenir dans Emerald en allant sur l'île 9. Et vous pouviez obtenir Lugia et Ho-Oh en allant sur l'île 8. C'était la même que Rouge Feu Vert Feuille. Alors attendez, Cause Combat, ça m'intéresse par contre. J'enlèverai de casse-brique, quoi. Parce que Close Combat, même si ça me baisse mon attaque et attaque spéciale. Non, ça me baisse ma défense spéciale. Pour enchaîner, c'est pas mal. Voilà, donc vous faites pas avoir, hein, dans Ruby Saphir, impossible d'avoir Jirachi. Sauf par échange. Pour Emerald, bah, je sais même pas si on pouvait transférer Pokémon Channel dans Emerald directement. Je pense pas, je suis pas sûr. Bon, attendez. Macrimo. 89 PV. Bon, on va lui donner un petit truc à boire. Ah, j'ai plus de les meumeux. Ah, j'ai des super potions. Attendez, c'est... Ouais, c'est bon. Ah non, alors attends, celui-là. Ouais, mais enfin, c'est la journée des sauvageons qui vandalisent les planques des honnêtes gens. Des gens honnêtes, ah bon? Ah bon? Genre vous, la team Aqua, vous êtes des gens honnêtes. Depuis quand? Même la team Rocket, ils savent qu'ils ne sont pas des gens honnêtes. Alors comment pouvez-vous vous l'être? C'est impossible. C'est moi la personne honnête ici, c'est pas toi. Mais genre il me laisse passer comme ça. Le bureau du boss? Non, c'est pas par là. C'est pas vrai, t'es la deuxième personne à se tromper. La fille tout à l'heure avec son chuchemur m'a posé la même question. Ah mince. Mais c'est vrai en plus que c'est pas là. C'est même pas une blague, hein. C'est même pas une blague, je sais où est-ce qu'il faut aller. Je pensais qu'il me faisait marcher et qu'il fallait continuer, mais non. En fait, il faut aller dans l'autre téléporteur. C'est pas celui-là, hein. Celui-ci. Mais oh. Et genre, ah voilà. Ok, alors je sais plus, hein, ce qu'il faut, où il faut aller. Okay. Non, parce que des fois, quand on revient sur le même, ça revient pas au même endroit. Ah, c'est bon à savoir. Je crois que c'est ça. Il me semblait que c'était ça. Mais c'était pas ça. Donc là, on va là. Là, on va là. Et là, ça doit pas être celui-là, ça doit être celui-là. Généralement, le plus évident, c'est le fou. Voilà, c'est ça. Et voilà, la victoire revient à Marilys. Arthur, tu n'as rien? Moi, battu comme ça? Maman! Oh, ça, on est bien contente, pas vrai, Marilys? Tu es bien, ma fille, toujours de bonne humeur. Mais qui es-tu? Qui je suis? Ça, c'est une question difficile. Qui suis-je donc? Moi qui ne suis jamais devenu qui que ce soit. Que c'est dramatique. Mais laissons cette petite séance d'introspection de côté, si vous voulez bien. Ne reste pas planté là, Galius. Viens par ici. Comment? Le morveux? Le morveux! Mais oui, c'est moi, le morveux. Que le gamin, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pourtant clair, non? C'est le héros, il faut bien qu'il sauve le monde. C'est dommage, à une minute près, il aurait peut-être réussi. Mais c'est quoi ce... Mais genre, mais c'est facile, moi aussi, je vais dans les gens et je récupère les gemmes, là. Je récupérais la gemme bleue, la gemme rouge, puis je vais voir les marchands aussi, puis hop, je vais la reprendre. Arthur, est-ce que tout va bien? À mon avis, il lui donne un bon coup de poing, vous savez. Je boum. Prends ça. Et voilà, la gemme sésame à moi. On a en fait tout ce qu'il nous faut, Marilys. Hein? Avec ça, on va pouvoir invoquer... Rayquaza! Nous avons rempli notre mission. Vous m'excuserez? Ah, Galius, j'aimerais que tu nous suives. Nous dirigeons vers un lieu en dehors du temps, le pilier céleste. Si tu n'as pas tout compris, demande à l'ancien maître. Il a une mémoire à toute épreuve. Sur ce... C'est qui l'ancien maître?
J'hallucine. Elles seront pour qui, celles-là? Gamin. Toi, ici, maintenant, c'est le destin. File-lui ça, Sarah. Sérieux? Ouais. Vu qu'on m'a volé la gemme sésame, la méga gêne me sert plus à rien. Compris. Ah, une chair pédite. Oh, alléluia! C'est une charpe édite. Fais-la tenir à ton charpardo, et tu verras. Avec cette pierre, je te confie ma force. En tout cas, la fille de tout à l'heure sait vraiment y faire avec les Pokémon dragons. Je me demande bien ce qu'elle a derrière la tête. À part toi, Morveux, je vois pas qui pourrait l'affronter. Je compte sur toi. Mais je l'ai ruiné! Ah, Ganyus, tout va bien? Bah, tu vas bien? Je vois, la gemme sésame, le pilier céleste, le peuple du météore. Tout est clair maintenant, nous devons parler de toute urgence. Retrouve-moi au premier rang au premier étage du centre spatial, à tout de suite. Clic. Donc c'est ça ton lit. Tu vis donc tout seul. Il a trois coussins. Hey. C'est-à-dire que... Ah oui! Avec Sarah, tout ça, d'accord. Excuse-moi, je ne savais pas. Mais c'est quand même un petit lit, hein. Ah, vous empilez dessus, d'accord. Ok. Allez, on va repartir. Il faut juste pas que je me trompe. La dernière fois, je m'étais trompé. Je pense que là, normalement, on devrait sortir. Enfin, je crois... Là, je sais pas. Là, peut-être. J'ai dû me tromper de chemin, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y avait une sortie avant. Bon, c'est pas grave. Non, je pense que c'est là. Voilà. Bon, allez, mec. Moi, je me tire. Ah, je vais même pas droit, en plus. J'allais un peu vers la droite. Donc, direction le premier étage du centre spatial d'Algacia. Pour connaître la suite. Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est là-bas. Ah non, il n'y a pas d'endroit. Ah ok, c'est pour ça qu'il fait ça. Mais tu sais pourquoi quand on appuie sur A, ça fait ça? Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour atterrir. Très bien. Ok, donc on va aller se rendre donc à Algacia, au centre spatial. Mes Pokémon, ouais, sont plus ou moins soignés. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Hop. Et on y va. Est-ce que tu me les soignes? Merci pour tout. Est-ce que je peux soigner tes Pokémon? C'est ça que tu dois me dire. Allez, c'est parti. Galius, je t'attendais. Je sais, cette fille Amaryllis a parlé du pilier céleste. Or, seuls les rares héritiers de la sapience des anciens peuvent pénétrer dans ce lieu sacré. Tu te souviens de Marc d'Atalanopolis? Genre, non, non, c'est qui? Attends, je vais mettre non juste pour rigoler. Ah bon? Pauvre Marc. Marc, donc, le champion d'arène d'Atalanopolis, il sait comment lever le sceau à l'entrée du pilier céleste. C'est vrai que dans le jeu, dans Emerald, Marc venait aussi, c'est lui qui venait devant le pilier céleste. C'est l'une des personnes chargées de transmettre la sagesse des anciens. Je vais rester ici avec le professeur et les autres, on va essayer de trouver un plan de secours. On ne peut pas faire confiance à cette fille sortie dont ne sait où. On doit se débrouiller pour trouver le moyen de détruire cette météorite par nous-mêmes. Amaryllis, le pilier céleste, je compte sur toi. Je vais appeler Marc pour le mettre au courant, et dans la grotte origine de Talanopolis, là. Ouais, et donc je vais où? Normalement, s'il est mieux au courant, c'est que je vais directement au pilier céleste. Bah, c'est tombé bien d'ailleurs qu'on aille au pilier céleste, au moins je vais pouvoir vous faire découvrir Pacifiville. La ville que nous n'avons pas découverte pour l'instant. Bah, d'ailleurs, on va aller à la nage. Hein. Allez, c'est parti. C'est par là. C'est pas par là. Pacifiville, qui est une très belle ville.
très très belle ville. Très calme, très paisible. On va pouvoir écouter sa musique. Alors. Sac. Super repousse. Il m'en reste 5. Ça devrait le faire jusqu'à Scopilier Céleste. Ensuite, j'irai quand même faire des achats. Parce que vous doutez bien que... Ah, j'ai un truc. C'est quoi ça? Une base secrète dans une grotte. Ah oui. Ça, vous avez vu toutes les bases secrètes que j'ai, quoi? J'ai rencontré des millions de personnes. Enfin, je pense que c'est pas mal, hein. Force de me balader. Donc Pacific Ville, vous voyez, c'est vraiment au sud. Enfin, au sud. Bon, ah oui, vous m'avez dit si... Ah, attendez, on va faire un truc. J'ai envie de vous montrer, parce que vous m'avez donné un conseil. De surfer soit sur un Sharpedo, soit sur un Kyogre. Et comme j'ai Kyogre, je me dis peut-être que voilà, je vais essayer. Pour vous montrer un petit peu comment ça rend. On m'a dit que c'était beau, c'était vraiment beau. Donc, bah écoutez, je vous écoute, hein, je suis vos conseils. Même si je les applique pas dans l'épisode suivant, puisque évidemment je vais tourner à l'avance. Mais je les lis après vos commentaires. Donc, on va virer mon Martic. Qui j'ai pris là? Voilà. Niveau 45, mais il est vraiment surpuissant. Et donc on va faire surf avec lui en fait. Ah, ça se passe comment si j'ai deux Pokémon qu'on surf? Est-ce que c'est le premier dans l'équipe qui l'utilise? Je pense. Allez, donc on va lui apprendre surf à la place d'une attaque un peu bidon. Non, il avait que des attaques bonnes, je crois. Plaquage, pas terrible. Alors, il est meilleur en quoi? Attaque spéciale. Donc plaquage, c'est pas terrible. On va lui enlever. Il apprend surf. Ok, on va le mettre en premier dans l'équipe. Ça se trouve, il va pas vouloir l'utiliser, ça va être l'autre. Alors, est-ce que c'est aussi beau que vous le dites? Waouh! Bon, ça va pas plus vite, mais on voit Kyogre. Waouh! Non, c'est vrai que c'est bien fichu, je suis d'accord avec vous. D'accord avec vous, c'est la classe. Franchement, c'est la classe. De nager sur un Kyogre. C'est vraiment beau. J'avoue que le Sharpedo, ça aurait été aussi stylé. Alors, donc on va descendre par là. Voilà, Chaudal 129. Ensuite, on va aller à l'ouest. Si j'arrive, est-ce que je peux surfer avec ça? J'ai voulu l'éviter, hein. J'ai voulu. Mais lui, il a pas voulu. Béquipan. Ah, mais j'ai Kyogre. Je vais lui faire... Je vais lui faire Laser Glass, parce que c'est le mieux que je puisse faire. Niveau 27 à 37. Ouais, c'est bon ça. C'est bueno. Hypocéan. Bon, on va changer. On va amener champion. Bon, vraiment, la mer se retire, c'est ça? Ah ouais, elle a fait la pluie, je veux dire. Non, pas la mer, parce que... Si la mer se retirait, il y aurait un souci. Et on va faire... canon graine. Pas mal. Hop là, pardon. Allez, va plus vite. Je trompe. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de nos profondes par là. Ah, mais j'ai pas plongé, c'est vrai. C'est quoi cette eau? Ah, c'est autour de Talopolis. Chaudal 130. Mais je suis loin de Pacific Ville.
Je suis loin, hein. Si vous regardez la carte en bas. Alors attendez, elle. Non, c'est bon. Ah, c'est, on va y arriver. On y est presque. Normalement, c'est là. Ah non, c'est la même musique que Nanucric, c'est vrai. Normalement, voilà, vous voyez la chose qui brille là? Hop, voilà, chou. Faut surfer. On chope comme ça. Ah, j'ai cru que je pouvais pas. Une Kangourexit! Super. C'est marrant. Tu surfes comme ça. Allez, on va visiter la ville et ensuite on ira au pilier céleste. Un Pokémon dans le ciel, un Pokémon dans le ciel. Oui, ma petite. Et toi, tu viens d'où? Ah oui. Ça, c'était un gamin qui était près du, juste à côté du centre Pokémon. Et il posait la question, et tu viens d'où? Et le choix, c'était oui ou non. Et si vous disiez oui, il disait, tu viens de Weeville? Ah, je connais pas. Regardez. Oui, oui, ville? J'ai jamais entendu parler, voilà. Et si on dit non? Je sais plus ce qu'il dit. Non? Quoi, tu veux dire que tu viens de nulle part? Non mais attends, t'es bien né quelque part. Tu sors pas de la mer. Si, je sors de ma mère. Coucou. Tiens, accepte ceci, ça ne m'est plus d'aucune utilité. Dégommage. Ça envoie l'objet que vous posez, que vous avez sur vous. Et en gros, ça... Ah, Unis, il a eu. À 50 ans, marié avec des enfants, je reste malgré tout attaché à cette passion. Je devrais me faire une raison et abandonner ce rêve pour mon propre bien, celui de ma famille. Ah, c'est ce qu'il voit, hein. C'est ce qu'il voit. Bon, ouais, dégommage, ça, en fait, ça envoie l'objet que vous tenez et l'effet qui est envoyé. Et, par exemple, si vous envoyez une orbe toxique, qu'un adverse sera empoisonné, quoi. Voilà, c'est un petit exemple. Ou si vous envoyez une baie-cerise et qu'il est paralysé, bah, ça le déparalysera. Alors, bonjour. Le président, c'est-à-dire la personne la plus influente du fan club Pokémon, c'est... Bon, en fait, c'est mon frère. Je suis juste ici en vacances avec mon Pokémon. Voyons voir. Ton Pokémon a un regard mauvais. J'ai la cité parfaite pour un compagnon aussi effrayant. Frustration. Ouais, vous savez pourquoi? Parce que c'est Kyogre, je l'ai pas depuis le début. Regardez, on va lui montrer, par exemple, Gobi. Il va me dire... Normalement, il devrait me dire que c'est bien. Ah non! Bah alors? Il m'a donné retour et frustration? Parce que les deux existent, hein. Ah non! Non, 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 bah non. Retour, c'était peut-être ailleurs. La maison, la dernière maison, c'est la plus intéressante. Bonjour dresseur, voudrais-tu échanger un Pokémon avec moi? Ici à Pacifiville, je ne peux attraper que certains Pokémon. Tu aurais pas un joli fleur? Ouais. Non mais attends, un joli fleur quoi. Oh. C'est un Pokédex? Non mais joli fleur quoi. À la limite si elle m'échangeait joli fleur. Ouais mais en même temps la pauvre, faut la comprendre. Elle a depuis toute sa vie et elle a pêché Kangourayon, elle se dit ah oh, je peux avoir un joli fleur. J'avoue que ça, elle me fait de la peine. Choc. Ah oui, ça lui fait un choc psychologique, c'est ça? Si on ne les voit pas tout le temps, c'est sans doute dû à une illusion d'optique. À moins que, non, ils ne peuvent pas apparaître et disparaître pour de vrai, si. Voilà, regardez. Cet homme-là. Imagine un lieu impossible à atteindre à pied et qui passe son temps à apparaître et à disparaître. Oui, comme un mirage. Il y en aurait plusieurs à travers Owen. Dans les versions originales, il vous disait, en fait, si l'île mirage, s'il voyait l'île mirage. Il me semble, alors il y avait plusieurs rumeurs qui circulaient, évidemment. Soit c'était une fois par année, soit ça correspondait en fait à l'idée de vos Pokémon. Alors moi je pense plus que ça correspond à l'idée de Pokémon parce que je crois pas qu'il y avait un truc de jour de l'année dans Ruby Saphir. Mais moi on m'avait dit c'était une fois par jour. Une fois par jour il fallait le voir. Pour voir ce qu'il disait quoi. Et j'y allais tout le temps et jamais il la voyait, mais vraiment jamais. Et j'étais obligé d'utiliser l'action de replay pour l'activer, pour la voir, parce que j'avais vraiment envie d'y aller. Bref, donc nous on va se rendre au pilier céleste. La mer, la mer, la mer! Ça m'en dingue.
le pilier céleste. Et ensuite, on s'arrêtera là. Ça devrait faire un bon épisode. Et on découvrira le vrai mystère dans le prochain épisode avec Pipyrus. Ah là là. En tout cas, j'espère que cette aventure vous a plu, en notre compagnie. On a eu beaucoup de retours positifs. Honnêtement, je crois qu'on n'a même pas eu un retour négatif, pour vous dire. C'est pas pour vous vanter ou quoi que ce soit, mais Léviator. Mais c'est vrai que vous avez vraiment apprécié. Donc, pour nous, c'est vraiment énorme parce que là, vous voyez, c'est le troisième épisode que je tourne d'affilée. Pyrux, ça va être la même chose. On va tourner le quatrième d'affilée encore. Bon, Pyrux, il aime bien, il a envie qu'on sorte les épisodes assez rapidement, enfin, pas assez rapidement, mais qu'on laisse pas trop d'écart, on va dire, entre la ligue et la suite. Donc, c'est pour ça qu'on fait en sorte de tourner assez vite. Après, nous, on est occupés, tout ça. Et donc, voilà, on se donne à fond, même si je suis malade, vous voyez, ça tenait qu'à moi, s'il n'y a pas eu Pyrux. J'aurais dit Pyrux, écoute, je pense qu'on devrait laisser plus d'espace entre les gens. Et... attendez, c'est une blague. Il a pas appelé Marc. Là, par contre, il se fiche de moi. Hein. Là, par contre, tu te fiches de moi, Pierre. Parce qu'attends, dire ouais, j'appelle Marc, je lui dis d'aller au pilier céleste. Et après, il me dit, il se trouve à Talanopolis. Ah oui, d'accord, il se trouve à Talanopolis. C'est toujours pareil avec Pierre. Depuis que je connais, il a toujours été comme ça. Non, je rigole. Mais, non, mais franchement. Ouais, j'imagine qu'il faut aller le voir à la Grotte Origine, c'est ça? On n'a pas fait la visite de cette ville en plus, hein. Je vous le ferai, hein, je vous le ferai, vous inquiétez pas. Oh, comme je vais rentrer dedans au Pokémon. Vous inquiétez pas, on le fera. C'est une belle ville qui me fait penser à, vous savez quoi? Un peu les bâtiments qu'on voyait en Grèce. Vous voyez ce genre de bâtiment, ou sinon dans les pays chauds africains. Genre le Togo, tout ça. Ah, il est là, évidemment. Ah oui, le maître, c'est lui le maître. Quel glorieux épisode, n'est-ce pas? Oh, oh, oh. Cet arbre immense offert par un géant venu de Kalos. Votre savoir ne cesse de m'impressionner, l'ancien. Merci infiniment. Gahaha, pas de chichi entre nous, mon cher Marc. Gahaha, je ne me permettrai pas. Sois à nouveau le bienvenu à Talanopolis, maître Gadius. Pierre m'a dit que tu cherchais à te rendre au pilier céleste. Il est vrai que seules certaines personnes peuvent pénétrer dans la grotte qui mène au pilier céleste. Elle n'est accessible qu'aux habitants de Talanopolis et au peuple du météore qui vivent sur les terres de Hoenn depuis des temps immémoriaux. On raconte que le pilier céleste est un hôtel servant à invoquer Rayquaza, le Pokémon protecteur de la région de Hoenn. Seul le peuple du météore connaît le moyen d'invoquer Rayquaza au pilier céleste. Céleste. Et après avoir écouté l'histoire de Pierre, il est évident que cette Amaryllis a l'intention de faire appel à ce Pokémon. Quoi qu'il en soit, il faut agir sur le champ. Je pars devant. Lorsque tu seras prêt, rejoins-moi le pilier céleste. Rejoins-moi. Le pilier céleste se dresse sur une petite île. Ouais, je la connais. Oh, prends pas pour un abruti, hein. J'aime pas ça, moi. Donc attendez, il a dit... cet arbre vient de Kalos. Mais d'où il viendrait de Kalos? Maître, l'ancien. Dis-moi tout. Je m'énerve. J'imagine que je peux pas aller au pilier céleste parce que je suis pas rentré dedans. Ok, alors Talanopolis. C'est la Pacifiville. C'est à côté. Bon, je peux aller au channel 127, au pilier céleste qui se trouve là, ok, non. Ah, je peux aller au channel 131. Oh bah oui alors. C'est la joie. Il y a de la joie. Oh,
Ok, il m'a posé là. Alors attendez, Oh bah c'est bon, on est juste à côté. Regardez, c'est là l'entrée. Tard, c'est nickel. C'est nickel. Ok, elle a viré là. Te voilà enfin, Gallius. Comme tu peux le voir, j'ai déverrouillé le sceau menant au pilier céleste. Tu devrais pouvoir l'atteindre en suivant le chemin à l'intérieur. Ceci dit, afin de poursuivre ta route, tu dois encore surmonter une dernière épreuve. Je dois satisfaire la volonté de mon maître, au nom du peuple Atalan. Affrontons-nous ici, toi et moi. Et je pourrai alors déterminer si tu es apte à poursuivre ton voyage ou non. Qu'en penses-tu? Montre-moi comment tu danses avec les Pokémon. Je pense pas qu'il ait... Oh, la musique. Je pense pas qu'il ait 6 ou 5 Pokémon. Hein. On va voir. Naze, Marc du peuple Atalan veut se battre. C'est génial. Alors moi j'ai Athéna. Ah ouais, il en a 6 quand même. Ouais, ça va être un long épisode alors. Il va être très long. Alors on va lui faire séisme. Gicle d'eau, ouais, ça va faire mal ça. Ou critique. Abusé. Mais vraiment abusé. Elle met le chaos un peu. Voilà. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Ludicolo, bon, on va changer. On va amener la Crémo et la Plaie-Croix. C'est super efficace. C'est pas mal. Tadam. Ok, Ludicolo. Plaie-Croix. Bluff. Ah, j'ai... Attendez. Attendez. Ça va augmenter mon attaque. Impassible de la Crémo. La vitesse de la Crémo augmente. Nickel. Voilà. Allez, dégage. Oh non, il tient. Écosphère, zut. Non, je le tiens. Tranquillou. Vu que j'ai un boost en vitesse, je pense que je vais rester. Peu importe le Pokémon. Bah ouais, justement, Tentacruel, c'est vraiment très bien. Donc on va faire coup psycho. Oh, c'est un monstre, Lacrymo. Milobelus. Lui, vous savez, on va lui faire close combat. Il va rien comprendre. Il va être KO. En un coup. Ah non, mince, il a tenu. Aïe. Bon, mais c'est moi qui suis KO. Voilà, c'est ça, faire le beau. On va amener champion. Je pense que Match Punch, ça le met KO. Ça devait être limite, je suis d'accord avec vous. Mais on l'a mis KO. Aussi, je vais rajouter une petite énigme. Et l'énigme va être de savoir combien de fois je me suis mouché dans l'épisode. Et vous pouvez donc faire, donner vos paris. Donc se moucher, c'est vraiment... C'est pas juste faire ça. Pouvoir lunaire, c'est 95. Non, j'ai pas vu. Quoi? Non! Mais genre... Comment il résiste autant là? C'est quoi cette embrouille? Attendez, je sais pas quoi faire là. Bon, on va le laisser crever. On va faire Requiem. Voilà, là il va me mettre KO. Normalement. Voilà.
Parce que si je le tenais avec un autre Pokémon, ça allait être vraiment juste. Par exemple, pour Lagron, je pense pas qu'il aurait eu le temps d'attaquer. Donc c'est pour ça que maintenant je peux l'amener, si vous voulez. Et l'attaquer. Et cascade. C'est limite, hein. Je pense le mettre KO quand même, mais c'était limite. Et le petit dernier, donc c'est qui? Ah bah Hyporoi, je pense. Je pense que c'est Hyporoi. Il va prendre effort, non. Ça ne dit pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'il va amener? Ah non, Barbicha, ok. Ouais, on va amener le champion. Il va nous faire un petit balgrain, enfin un petit canon grain, et puis... Et puis voilà, quoi. Ça va être la fin. N'empêche, c'est super bien qu'il nous fasse des combats comme ça. Je pense que c'est un bon moyen de nous faire monter nos niveaux avant d'affronter justement la suite. Parce qu'ils savent que après qu'on finisse la ligue, on n'est pas niveau 70 quoi. À la limite au niveau 60. Normalement on devrait être niveau 60. Bon, je suis 55. 55 et 60. Oh mince, j'ai raté. Mais bon. Bravo Galius, tes talents de dresseur de Pokémon me laissent sans voix. Pareil à la douce brise qui annonce l'arrivée du printemps, pareil à la foudre qui frappe lorsque l'on ne s'y attend pas, ton équipe a fait montre d'une beauté et d'une efficacité au-delà de toute imagination. Et voir ta prestation flamboyante, telle une danse tourbillonnante et enivrante, fut un ravissement pour mes yeux comme pour mon cœur. Va et poursuis ta route. Je te souhaite de découvrir le secret que tu convoites. Le peuple à talent n'est pas autorisé à pénétrer à l'intérieur du pilier céleste. Aussi, je vais rentrer à Talanopolis et faire tout mon possible pour améliorer la situation là-bas. C'est aussi pour cela que je te supplie encore de nous venir en aide. Notre destin est entre tes mains. J'ai confiance en toi, Galius, notre jeune maître. Alors, non, Pyrux a dit de m'arrêter après. Oh, cette musique. Bon, c'était la musique de la planque dans le mont Chimney, hein. On la retrouve. Là, il y avait un objet, il me semble. Non? Ah, j'avais souvenir qu'il y avait un objet. Je crois qu'il m'a dit de rentrer, punaise. Il me semble qu'on s'est dit qu'on rentrait. Faut que je vois ça. Oh! Ouais, voilà. Merci d'être venu. J'adore. T'es courageux, Galius. Et en tant que tel, tu mérites que je t'offre quelque chose d'exceptionnel. Regarde, oh, les peintures. Tu vois les peintures rupestres qui couvrent les murs de cette tour? Elles racontent l'histoire du peuple du météore, mes ancêtres, transmises de génération en génération pendant des millénaires. C'est une histoire d'hommes, de Pokémon et d'environnement. Une histoire que je vais te faire le privilège de te raconter. Raconte-moi tout. Il y a des milliers d'années, le monde débordait de l'énergie et de la nature. Primo Groudon et Primo Kyogre se disputaient cette énergie et s'affrontaient dans des combats d'une rare violence. Face à la force de ces créatures, les hommes étaient impuissants. Ils ne pouvaient qu'attendre que la violence s'arrête. C'est alors qu'une météorite venue des confins les plus reculés de l'espace s'abattit de plein fouet sur notre planète. Elle s'écrasa non loin d'un village où habitait un clan spécialisé dans les Pokémon dragons. Et c'est ici que se termine mon histoire, du moins pour le moment. Je te raconterai la suite un peu plus tard. Waouh. C'est une musique. Oh. Oh, il y a des Pokémon. C'est une musique. Oh, c'est trop bien fait, regardez le décor. Waouh. Bah, c'est une musique un peu étrange. Hein. Non, mais t'es sérieux, là. Non, tu résistes. Ouais. Là, je veux juste voir. Waouh. Ok, il y a une autre échelle par là aussi. Ok, bon. Nous, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que ça vous plaît, en ma compagnie.
Et le scénario, tout ça, c'est vraiment que de l'inédit. Donc voilà, ben moi je vous dis donc à la prochaine. N'oubliez pas le troisième indice qui se trouve à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à répondre à la question que je vous ai posée également. Et puis voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et puis à laisser vos impressions dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour un épisode duo avec Pyrux. C'était Gallius. Ciao ciao tout le monde.